À l'aube du lancement de son spin-off, Ici tout commence, Demain nous appartient va basculer dans une ère tragique sur TF1. La série d'Ingrid Chauvin, qui pourrait dire adieu à l'une de ses figures historiques, va mettre ses héros en grand danger. Tragédie chez les Bédillard. La première tragédie va plonger le clan Bédillard dans l'horreur. Georges va avoir la triste charge d'annoncer que l'un des membres de la famille a été victime d'un grave accident de la circulation. Alors que Nor et Soraya seront sans nouvelles de Leïla depuis son départ pour Bruxelles, une femme, retrouvée dans une voiture totalement calcinée, sera entre la vie et la mort. À défaut de l'arrivée surprise d'un nouveau personnage chez les Bédillard, tout laisse à penser qu'il s'agira de Leïla. Victoire, Georges, Judith. Disparus, les fidèles de Demain nous appartient seront ensuite secoués par une catastrophe. Une sortie urbex, orchestrée par Ulysse, le nouveau compagnon d'Amanda, va tourner au drame. L'expédition est menée dans une grotte. Plusieurs héros de 7, Victoire, Georges, Clémentine, Sacha ou encore Judith, ont accepté de participer à l'activité. Une partie de la grotte va s'effondrer, prenant au piège ses 7 toits. Martin va se lancer dans une course contre la montre pour sauver les disparus, séparés en 2 groupes. L'angoisse sera particulièrement grande autour du sort de Judith, la fille de Chloé et Alex.